L'histoire des établissements religieux au Gabon remonte à la période coloniale, lorsque les missionnaires ont joué un rôle important dans la diffusion de l'éducation dans le pays. Depuis, les écoles, fondées par ces communautés religieuses, ont toujours été synonymes de qualité. En particulier, les établissements catholiques, à travers des écoles comme le Collège Messieurs Immaculée Conception ou encore l'École Sainte-Marie, qui ont bâti une réputation solide en formant plusieurs cadres de la société gabonaise. D'abord, moi-même, je suis passé par ce genre d'établissement. J'étais à Saint-Gabriel, puis à Val-Marie, à Mouila. Et je trouve que l'enseignement qui est dispensé dans ces établissements est de qualité. C'est pour cela que j'ai jugé utile d'inscrire ma fille dans cet établissement. Et ses résultats sont en progrès. Je suis satisfait, en fait, du travail qui est fait ici. C'est la durée quoi, qu'elle a faite ici qui m'a permis aujourd'hui de dire que Arisani a l'excellence et a la rigueur. Moi, c'est pourquoi je l'ai laissée ici depuis la classe de 6e. Aujourd'hui, elle va en terminale et je suis très contente. Chaque année, les résultats des examens nationaux tels que le BPC et le baccalauréat parlent d'eux-mêmes à travers un taux de réussite constamment élevé. L'excellence de notre établissement est due à plusieurs éléments, parmi lesquels le professionnalisme de nos enseignants. Ajoutez à cela, vous avez la discipline instaurée dans l'établissement. L'établissement réalise des excellents résultats aux différents examens nationaux. Les établissements de confession religieuse au Gabon incarnent à ce jour un pilier essentiel de l'excellence éducative dans le pays, par leur engagement envers une éducation de qualité, enrichie par des valeurs morales et spirituelles, ils offrent aux jeunes Gabonais non seulement des outils pour réussir académiquement, mais aussi pour devenir des citoyens responsables et épanouis.